ces rassemblements, on veut vraiment essayer de faire un focus pour mieux connaître les besoins énergétiques des joueurs. Le rugby, c'est une discipline pour laquelle il y a des gabarits qui sont vraiment très différents. Aussi, les efforts sont différents selon les postes. Donc pour nous, c'est important vraiment de mieux cerner quels sont les besoins énergétiques des joueurs et ceux de manière individuelle. Là, concrètement, les réveils, on leur met une espèce de bulle sur la tête, ils ont un peu l'impression d'aller sur la lune. Ça nous permet de pouvoir estimer la dépense énergétique de l'organisme lorsqu'il est complètement au repos. Ouais, c'était trop tôt. Apparemment, je brûle l'énergie pendant dormir. Mais c'est pas. Que tu manges trop de petits déj. Hein. Ah, c'était bien, c'était cool. Le focus de la journée, c'est régénération mentale et physique. Thibaut vous détaillera le contenu de la matinée. Mais l'idée, c'est que voilà, on prenne nos repères ensemble avant qu'on enchaîne voilà, sans transition pour cette matinée qui va nous permettre à tous de nous connecter comme vous savez le faire, comme on sait le faire. On essaie de maintenir le plus possible sur les distances d'accel, d'accord ? Donc sur la fatigue, de pouvoir être capable de pouvoir réaccélérer encore, d'accord ? Évidemment, ça va piquer, vous allez être lactique, ça va piquer au niveau cardio. Donc essayez de vous envoyer, on ne prend pas beaucoup de repos entre les blocs, d'accord ? Donc oui, ça va être compliqué de changer de rythme, mais c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Ah, ça pique. Là, les gars. On va travailler. On va bosser là, dur. Et voilà, rentrer dans une salle vraiment old school. une cave, c'était bien. Quoi. Tu rentres dedans pour travailler. Quoi. Et il y a tous pour travailler, pour transpirer. I'm doing all right. Just living my life. And I'm feeling fine. Yeah, yeah, yeah. You know I ain't stressed. Work hard but do less. That's why I'm the best. Yeah, yeah, yeah. I got this. Yeah, yeah, yeah. Bien, les boxeurs. Bien, ouais. Bien, Martin. Salut la team. Bien joué la team. Check. Check la team. C'est important qu'on ait tous quand même cette vision. La notion de respect, la notion d'être une nation majeure du rugby mondial. La continuité. Et surtout avoir en tête de regagner le tournoi. Beaucoup diront qu'on aurait pu penser parler de défendre le titre, mais ça a un aspect trop réducteur par rapport à notre ambition. Pendant les Six Nations, très 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 important, notre adversaire extérieur le 22. Un peu de différence pendant l'automne, pendant le Summer Tour, etc. Six Nations, gardez le 22, la même intensité, gardez assez l'Ignan. Le planning de l'entraînement, donc on a modifié l'entraînement par rapport à ce qu'on avait prévu, il n'y a pas de bowling play, on reste sur ce qu'on avait fait, c'est-à-dire c'est séparé collectif. Pourquoi séparé collectif? Parce qu'il y a 15 joueurs qui n'ont pas participé à l'entraînement, donc on considère qu'on a besoin encore de se régler et on fera le bowling play samedi. Donc on a les partenaires d'entraînement, ce sont les joueurs. L'espoir de Bayonne, je voulais remercier. T'accompagnes, Charles, tu prends. Ok, parfait.
peu, main devant, c'est le pied qui peut. J'arrive. C'est là où j'ai commencé le rugby, il y a une vingtaine d'années. Merci. C'est assez sympa de les retrouver ici. On y va, on adore. Ça va, le maillot, monsieur? Tu veux venir te signer? Ouais. On adore. CMP, CMP, CMP. On peut faire une photo? Franchement, c'était top. On s'est régalé. Je pense que tout le monde avait l'air content aussi. Et voilà, c'est le plus important que tous les spectateurs étaient contents. On a fait un bon entraînement aussi. Donc voilà, franchement, une bonne après-midi comme on les aime. Charlie, ça va? Alors là, c'est. Qu'est-ce que tu veux, toi? En termes de force, de mobilité, c'est ça. Aujourd'hui, tu l'évalues à quoi? Attends. Viens, je te rends. Coupé! Viens, coupé! Coupé les cheveux, ouais! Pose-toi comme j'étais posé. Je vais faire la même chose que toi. Ok. Tu te couches ta barre sur moi. Couche-toi ta barre sur moi. C'est pire? Pourquoi il n'y a pas la table de ping-pong? Ça manque. Voilà, merci. Allez, merci. Au fond de lui, il sait. Ah, il annonce et tout. Tu passes en dessous. Vas-y, dis qu'est-ce que je sais. Qu'est-ce que je vais te mettre au roost? C'est une truffe. Hein. Oh, mec. On se sent très très bien. Il y a une bonne ambiance. Les mecs, ils sont joyeux, souriants. Et c'est cool. On rigole bien, on travaille bien, du coup, ça va, c'est bien. À partir de maintenant, il faut quand même que vous vous appropriez ce qu'on vous dit. Donc c'est pour ça qu'on vous donne des carnets, des cahiers, des points essentiels que William y demande, que Sean y demande, sur les positions. Voilà, bien sûr, c'est normal, vous avez le truc du club et il faut vite se mettre... voilà. Donc chacun a son rôle, a son poste, hein. Qu'est-ce qu'il doit faire en priorité? On ne demande pas d'être bon élève, de marquer, etc. Mais quand vous êtes dans votre chambre, quand vous avez un moment, vous marquez le truc. Voilà. Parce que quand on va arriver dimanche prochain, il faut qu'on soit parfait. Ok. En place, décaler les têtes pour ne pas vous rentrer dedans. On met les mains sur la tête, au sol, sur la tête. Rouge. Bouge, c'est juste une rejoint. En place, deuxième. Tête, rouge, sol. Bleu. Genou blanc. J'ai touché avant. Pour nous, comme un groupe, c'est important de gagner des titres. Et ça, cet objectif n'a jamais changé. Donc pour ce tournoi-là, notre objectif, c'est de gagner un autre titre. Et on sait que peut-être cette fois, ça va être un peu plus compliqué avec les trois matchs extérieurs. Mais c'est un bon challenge et je crois que c'est un bon challenge pour nous de montrer ce qu'on a. Et je crois que tout le monde dans ce groupe est prêt pour ce challenge. Bonsoir. Ton but va pas beaucoup bouger. C'est pas pour moi, c'est pas le temps. Si je mange chaque. Mais ouais, déjà c'était un bon entraînement. Non, si j'ai un contre-l'avance, c'est un peu plus. Si j'ai un contre-l'avance, c'est un peu plus.